Bon, allez, Justin, tu fais deviner ton mot. Et bah, l'indice, c'est démerdez-vous en trois. Non. Ah non, c'est pas possible, c'est deux mots. Eh non. Eh oui, c'est vrai qu'il y a des règles au niveau du nombre de. Bien sûr. Je vais mettre. Et c'est bon courage à vous. Ah ouais? D'accord. Ouais. Ah, je vais la tenter. Je vais faire un truc stylé, vous allez voir. Ah oh là là, trop hâte. Non, mais pas besoin, Justin va nous faire deviner en 9. JRPG en 9. Relief en 2. Relief. Relief. Beaucoup de relief en Irak. Ah, on sent le joueur GeoGuessr. Ah ouais, il nous saoule déjà avec GeoGuessr. Bon, l'Himalaya. L'Himalaya, ça semble assez... L'Himalaya l'abeille. Si tu veux. Ah. Ensuite, Tokyo, c'est pas particulièrement connu pour son relief, j'en ai aucune idée. Je demande au GeoGuessing que tu veux. Bah, il y a le mont Fuji, quoi. Attends, quoi ? De quoi ? On redit ? Tokyo est-il connu pour son relief ? Bah, enfin, je crois pas, pas spécialement, okay. Il me semble pas. J'en sais rien. Et le mont Fuji, quoi. Les Chinois sont-ils connus pour le relief ? Il y a beaucoup de montagnes en Chine, hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est un peu lège, quoi. Les montagnes en Chine, quoi. Est-ce que le relief... concerne autre chose que juste du nivellement de bas vent, quoi. Je sais pas, parce que ouais, les nuages en relief, non. Est-ce qu'il y a un truc en rapport avec la 3D là-dedans, genre le noyau pour de la 3D, je sais pas. J'ai déjà vu un chien en 3D dans des films. Hein. J'ai vu, hein. Continue. Putain, mec, t'as fait ça? Bah. T'as vu ça? Oh putain, incroyable, il y a un mec de Yellow qui vient de se sub à la chaîne en tier 2, merci beaucoup. Dans là-haut, il y a un chien en 3D. Hein. Putain. Il est en relief, quoi. Non. Ok. En vrai, je le mets pas en sûr, mais je me dis quand même noyau, dans le... comme relief, c'est un peu géométrique aussi, peut-être. Moi, je me mute. Moi, j'aurais mis Himalaya et j'aurais mis gorge. Ouais, parce que les gorges, c'est un... Mais Himalaya, déjà ? C'est Himalaya, des si comment on appelle ça ? Clairement, je vais tuer quelqu'un, en fait. Putain, les... Bah, et réaliser des trucs en relief. C'est des canyons, ouais. des trucs comme ça, les gorges. Tu sais, pour réaliser, je sais pas, tu veux... Siren Shadow pour les 1008, merci beaucoup. C'est surtout pour des traits, quoi, la règle. Ouais, c'est surtout pour des traits, c'est sûr. Non, noyau, ça me semble un peu qu'il y a pilocratacté, mais en même temps, y a-t-il autre chose qui semble logique pour le relief ? Moi, je pense que j'ai, pour de vrai, je vous dirai pas, mais je pense que j'ai. Oui, je pense aussi. Bah, sinon, être en haut d'une tour, ça permet d'observer le relief, éventuellement, non ? Il y en a beaucoup de tours à Tokyo, hein. Oh là là. Ouais, bien sûr, bah ça ne nous aide pas du tout, du coup. Non, ouais, tours, il y en a même en 3D, des fois. Rire des tours. Bien sûr. Ah là 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 là, j'ai l'impression de rater un truc évident. Pareil, de ouf. Vos vies, peut-être. Ah, mais non, mais ça, c'est pas une impression. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. La même. Tout simplement. La même, bro. Yes, let's go. Jacket pour les 18 mois. Les hauts verts, les 2 mois. Fan Shadow, les 1000 bits, merci beaucoup. Relief. Ouais, page, non, hein, on est d'accord, rien à voir. Tourner la page. Mais ouais, moi, nuages, en vrai, je sais pas, je me dis. Bah, c'est vrai qu'en relief. Ça fait partie de l'horizon, donc ça fait partie du. Enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai le droit d'aller. Bah non, j'ai pas le droit d'aller sur Google pour chercher. Non. Relief. Non. C'est non. Bon, alors, est-ce que j'ai le droit d'aller sur le Twitch de Justin pour regarder Ça, oui. J'ai le droit. Ok. Assiste pour les 4 mois. Je sais pas. Écoute, bagarre 69 pour les 2 mois. Entre nuages, j'ai le noyau, lequel. Ou tour, je sais pas. Ça se trouve, c'est aucun des trois, on est vraiment des grands semaines. Noyau, je le sens pas en vrai, je t'avoue. Ouais, mais la dernière fois que tu sentais pas un truc, c'était pas forcément. Ouais. Bah, moi, je sentais pas Panda, c'était pas Panda. Hein. Non, c'était quoi qu'il avait validé? Je sais plus ce qu'il avait validé juste. C'était Panda, effectivement. C'était Panda, ouais. Pandi Panda. Bah, je sais pas, non, en vrai, on doit rater. De toute façon, je pense qu'on rate un truc, hein, clairement. Ma bête, parce qu'il y a du relief. Parce qu'effectivement, en fait, Tokyo, en soi, n'est pas trop en relief, mais est dans un pays extrêmement montagneux, dans lequel il y a du relief. Je veux bien le croire. J'ai environ zéro notion de géographie, donc c'est compliqué. J'ai envie de faire fini de deviner directement. Ah non. Bon, bah vas-y, est-ce que tu veux. On va pas faire attendre plus loin. Ce que je veux. Ah, mais prenez votre temps, hein. Mon métier c'est streamer, donc j'ai rien à foutre d'autre que ça. Hein. Let's go.
J'avoue. Ouais, non, bien sûr. C'est tellement Balkany, c'est qu'il merci pourra. Blaine Danneux pour les 5 subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part, merci beaucoup. Avion. Avion. Parce que tu peux observer le relief depuis l'avion. Tu peux aussi rentrer dans une tour. Oh non! Non! Bah, y'a tour et avion, ils sont ensemble, hein, côte à côte. Hein. Non, mais non! Oh là là! Pardon. Aïe 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 aïe. Désolé pour la glissade. Aïe aïe aïe. En vrai, Lunatic, avion, t'es pas chaud dans le sens où t'observes vraiment bien le relief de Cabio l'avion. Pour les 11 mois, merci beaucoup. C'est là où tu surpasses le relief. Attends, je me dis avion Himalaya. Est-ce qu'il y a pas mieux pour faire deviner avion Himalaya? Si, il y aurait ciel, hauteur, je sais pas, ouais. Non, bah non, parce qu'il a eu un stylo pour les 100 000. Comme tu veux. Vas-y, appuie. Tu veux tenter avion? Très bon, très bonne utilisation du mode WTC. Relief, il te faut une page, mais enfin, je sais pas, après, je peux peut-être me tromper. Ouais. Tu vois. Vas-y, Lunatic, appuie sur le bouton que tu veux. J'appuie sur le bouton que je veux, ok. Ouais, genre. Très bien vu. Let's go. Let's go. Tout simplement. J'ai idée pourquoi t'appuies sur noyau, quoi. J'ai des merdes. Tu vois la petite chatte en bas à droite, là? J'ai montre au noyau. Ah ouais. Alors. Aïe aïe aïe. Alors attends, juste avant, Antoine, tu l'avais toi aussi, relief? Oui, mais on va pas le dire, parce que c'est encore un mot qui. Non, il faut le dire, pour le chat. Et moi je pense l'avoir. J'hésite entre deux trucs, mais je pense l'avoir. Dites-le pour le chat, ok. Du coup, on l'écarte. Ah bah moi aussi j'écarte. Bon, c'est un peu clutchy ce que je. Voilà. Ah oui, d'accord. Vas-y. Cruche. En 3. Cruche. Alors attends, si j'appuie sur la flèche, ça valide, c'est ça? Oui. Donc faut pas que j'appuie sur la flèche. Sur le doigt. Ouais, ouais. Cruche. Cruche, qu'est-ce qu'on peut avoir? Attends, on va la cruche qu'il croyait prendre. Gourde pour moi, peut-être déjà? Ah, gourde, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Gourde, ça m'a l'air pas trop mal. Verre, une cruche en verre. Ouais. Mmh. Ouais, ou pour remplir un verre. Ou de prune, peut-être confiture de prune dans une cruche. J'en sais rien. Moi, je dirais tonnerre. Cruche, mec. Attends, je regarde ce qu'il y a d'autre. Piano, ça m'a pas l'air très bon. Attends, cruche. Tonnerre comme cruche. Un coup de foudre parce que c'est ton cruche. Hein. Je vous ai rapporté du curry dans ma cruche. Non, ça. Bien sûr. Ça. Une cruche de lentilles. Vous avez rapporté un chien dans ma cruche pas. Irak, bon, du mal à imaginer, non? Oui, navet, oui, non, bof. Page, non. Tonnerre, non. Tonnerre, je vois non. Pas. Nuage, nuage. Non. Chinois, nuage. La cruche chinoise? Un vase chinois très ancien de la dynastie Ming, peut-être? Un vase non, chinois? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit cruche. Je pense pas. Non, je pense pas qu'il tient frais. Boulet. Ah, mais attends, être une cruche, c'est être un peu un boulet. Ah oui, bien ça. Bien. Ça c'est bien ça. Ça c'est oui. Je sais pas, tu vois. Si si, mais moi j'y crois. Donc attends, passe. Passe. Non. Non. Bête. Non. Bête. Bah si, être cruche, c'est être bête. Ah mais bête. Ah mais c'est soit boulet, soit bête. Ouais non, c'est plus bête en vrai. Ouais, je trouve que c'est plus bête que boulet effectivement. Ouais. Ok, tour, non. Avion, non. Gorge, non. Lentille. Siège. Moi, je pense... Moi j'ai envie de tenter ces trois mots-là. Une cruche de lentille, ouais. Je pense que ça se tente très très bien. Vas-y, tu veux qu'on valide gourde pour commencer? Ouais, gourde, je suis bien chaud. Let's go. Allez, bon. Ensuite, verre. Verre, oui. Une excellente soirée ici. C'est oh, allez, et bête. Alors là, celui-là, pitié. Alors attention. Oh, oui. Oh, let's go. Let's go. Très bon mot, Ultia. Let's go. Attends directement, oui. Bravo. Let's go. Juste un peu, pas le droit de te soucier. Hein. J'ai de nouvelles idées. Non, je tiens à la vie. J'ai de nouvelles idées, si jamais. TK pour les 2 mois. Par Ubrog, les 7 mois. Bien sûr. Bravo à toi. Alors j'en ai un, il va être exceptionnel. Est-ce que vous êtes prêts? On est absolument prêts. Eh bien... Mais pas trop quand même, il y a le Covid. En deux. Merci. Partition. En deux. Bah je dirais règle et tonnerre. Non. C'est vrai, ouais. Piano bien sûr. Par contre règle, cela dit c'est pas complètement con. Oui. Qu'y a-t-il d'autre? On va le mettre là. Page. Bien sûr. Page. Putain. Oui, page.
paraît page, plus évidemment. Piano et page. Que règle, en vrai. Mais après, faut pas oublier qu'il y en a encore un à deviner d'avant. Hein, de oui, mais je... ce sera le troisième mot, du coup. Ouais, page. Partition. Lentille, gorge, avion, tourbuche, Tokyo, chinois, boulet, passe, m'en fous, ouais, nuage, hiérarchie. Bah, en vrai, ouais, et piano, oui. Page, peut-être le plus... Ouais. Ouais, non, dans les autres, là, j'en vois pas. Hein. Partition... Non, j'en vois pas d'autres. Mais ouais, je me disais, tu vois, la gorge, c'est le truc... Enfin, voilà, c'est une partie du corps, mais c'est aussi... Je vois ce que tu veux mais dire. Mais c'est aussi... un truc en relief à l'intérieur. Oui, c'est... Enfin, je sais pas ce que c'est exactement d'un point de vue géographique, géologique, je sais pas quoi. Mais c'est aussi un machin, des espèces de failles ou je sais pas quoi. Oui, je vois. C'est 1000 renards pour les deux mois. Primary Spartan pour les primes. Genre les gorges du Mans, par exemple. Oui, par exemple, voilà. Ok. Donc je sais pas si c'est un rapport avec le relief, tu vois, mais... Après, en fait aussi, il y a l'Irak, je sais pas si c'est un pays qui est montagneux, si c'est un pays dans lequel il y a du relief ou pas. Mais du coup, je me suis aussi posé la question. Mais voilà, je les note. Okay. Alors écoute, on peut mettre piano, de toute façon, il n'y a ouais, pas de... Ouais, vas-y. On fait quoi? On met page? Parce que... la partition, est-ce qu'il y a forcément des pages? Oui, c'est au moins sur une page, parce que sur zéro page, elle tient pas, tu vois. Donc, c'est vrai. C'est très bien vu, ça. Si c'est... Non, mais si c'est pas ça, c'est un choc de Justin, si c'est pas ça, je suis désolé. Ouais, vas-y. Allez, très bien vu, ça. En vrai, maintenant que tu m'as dit le truc de gorge, ça me semble beaucoup plus logique, donc ouais. Ouais, mais est-ce qu'il serait allé chercher là-dedans? Est-ce que lui, quand il a voulu nous faire deviner les mots, il s'est pas juste dit, bah gorge, c'est gorge, la partie du corps, et il a pas du tout fait gaffe à ça, tu vois. Et est-ce que ta question, en moins polie, c'est est-ce que Justin est con? Bah non, parce que nous non plus, enfin voilà, on est tous cons, non, c'est juste que moi j'aurais pas raisonné comme ça de premier abord, tu vois. Mais Justin, c'est pas genre un masterclass de Geogasseur? Si, un peu, certes. Je pense qu'il a le terme, quoi. Parce que je le trouve à chier. C'est pas qu'un pilote tracté, je sais pas, bon. Tu veux tenter? Toi, tu serais plus chaud pour gorge, là. Bah tu sais quoi, moi j'ai l'habitude de montrer les mauvais mots, donc si tu veux, je continue de montrer... Vas-y, clique, montre le mauvais mot. Allez, let's go, Justin. Et c'était ça ce que j'avais pour relief, perso. Super de me prendre pour un con, j'ai des... C'est ce que j'avais, comme les gorges du Verdon, par exemple. Mais exactement, c'est exactement. Les gorges profondes du monde. Oula, let's go. Du monde. Petit clutch, là, sur la fin, bravo, quand même. Bien joué. Bon, j'espère que vous avez la ref. Oula. On l'a probablement pas. Je fais deviner en 1. Dalle en 2. Balle. Dalle. Roald Dahl. Ah oui, oh bah oui. Roald Dahl. Elle a la dalle. Attends. Ah non, ça s'écrit pas comme ça, je me suis trompée. tu pensais à Roald Dahl, je pense. Bah, non, mais c'est les bonnes lettres. C'est la maîtrise, c'est trompé. Je pense que c'est Roald Dahl. Oui. Bah, c'est un écrivain, mais du coup, page est déjà passé. Qu'est-ce qui reste? C'est les bonnes lettres, hein, par contre, hein, je tiens à préciser. Hein. Bah. Qu'est-ce qui reste? Ouais, on a la ref, ouais. Moi, je l'ai, en tout cas. Ultia, je veux bien changer et venir dans ton équipe et gagner. Merde. Ah non, c'est bien écrit. Moi, je sais pas du tout ce qu'il a écrit, ce garçon. C'est pas du tout. Roald Dahl. Évidemment, je peux aller voir sur. Je me souviens plus ce qu'il a écrit, Roald Dahl. Et oh, moi je l'ai pas fait, tu le fais pas. Non, on peut pas googliser, je m'en souviens plus. Et ben alors? La merde. Démerdé. Si, ça s'écrit comme ça. Putain, ça veut tricher, quoi, mais j'y crois pas. Bon, déjà, c'est un écrivain. Règle, écrivain, du papier. Le problème, page est plus là. Il bûchait sur ses romans. Je sais pas, il a peut-être fait un séjour à Tokyo. Il était écrit sur un. Quand t'es écrit, t'es sur un siège. Ouais, probablement. Qui sait, peut-être qu'il écrivait debout, on sait pas non plus. Je pense pas, non. Il avait peut-être un chien. Aussi. Ah, c'est possible, hein. T'as écrit un bouquin sur un chien. Il a pas fait un truc, je sais pas, une œuvre qui s'appelle machin dans les nuages ou quelque chose du genre, tu vois. Je sais pas, je connais rien, je suis très mauvais en littérature donc. C'est en deux en plus, alors attends. Mais est-ce qu'on est sur la bonne personne? Mais je réfléchis, Roald Dahl qui s'est écrit.
Je pense que c'est Béatrice Dalle en perso, mais... Jean-Marie Dalle. Ouais. Putain. Oh merde. Je crois pas qu'il ait écrit de navet. Hein, c'est plutôt un bon auteur. Putain, j'ai des trous de mémoire. Roald Dahl. Ça doit probablement être en rapport avec un titre de ses bouquins, tu vois. Je pense, oui. Que je pense. Que je n'ai pas... Attends. Il n'y a pas moyen de googliser un petit coup, là. Bah, ils peuvent quand même savoir. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une, ah bah, c'est écoute, une blague. Non, mais Ulchia, ton avis, c'est très bon, mais vraiment, ne dis plus rien. Mais, oui. Ouais, c'est non, dur. Mais toi, tu les as pour de vrai, Lunatic ? Oui, oui, de loin. Quoi, putain ? Quoi ? De loin ? Antoine qui veut utiliser Google comme sur GeoGuessr. Malheureusement. Alors, Antoine est bien connu pour ses tricheries. Passe, il passe. En tant que fan de Patrick Olcani. Passe. Passe-muraille, c'est pas lui, ça, ou je sais plus. Un petit passe-dalle. Un tour de Fort Boyard. On prend un petit passe-dalle. Tu vois, passe-muraille, muraille de quoi ? Muraille de Chine, tu vois ? Ce serait ouf, ça. Attends, j'avoue. Merde, t'as peut-être donné un indice. Attends. Il partait des lentilles, ouais, là ? Ouais, merde. Bah peut-être qu'il... Non, mais non, alors j'avais mis ça. Tour. Il avait un chien ? Bah, peut-être. Possible, même. Un chien, ouais. Très possible, ouais. Oh, la merde. Excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous très important là. Très honnêtement, je sais pas du tout. C'est vraiment dur. Je n'ai pas les refs. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut piffer dans ce cas-là ? Siège, peut-être. Pour moi, un auteur, il est vraiment sur un siège. Tu vois, je sais pas. Ouais. C'est quoi ? Je sais plus. Rien d'autre. On va te dire. Oui, mais non. Mais si c'est le mot noir. Ben oui, justement, j'y pense. Si c'est le mot noir... Vous pouvez faire finir de deviner, vraiment, si vous êtes en galère. Non, faut qu'on devine les deux mots. Je souffre. Okay, ah bah, désolé. Bon, c'est probablement pas siège, alors, si elle nous aide. Non, je souffre en général, ça n'a rien à voir. Ah oui, pardon, excuse-moi, tu as une... Ah, bien sûr. Chinois, il a pas fait un truc qui se passe en Chine, Roald Dahl ? Attends, oh non, tellement loin. Il a pas fait un truc. Bah oui. Il a fait un très bon curry, me semble-t-il, une fois. Ça va. Et votre relief avec noyau, excusez-moi, mais pardon. Alors attends. En tout cas, je vais mettre ceux qui. Je suis sûr que c'est pas ça. Vas-y. Curry. Okay. Oui. Irak. Pourquoi ? Très bien. je sais pas. Navet, je pense pas. Tonnerre. Vas-y, Gus, t'as bien compris, il faut appuyer sur la main sur les mots qu'Antoine y montre. Vas-y, appuie. En vrai, il y en a aucun. Okay. Franchement, j'en ai aucune idée, mec. En fait, oui, il va juste tous les mettre. Ouais, en fait, voilà. En fait, je t'en fais regarder, je t'en mode. Non, mais en fait, c'est sûr que c'est pas ça. Ça passe, ça bûche, chinois, navet, la boulette. C'est un auteur anglais. Navet. T'as la Tour de Londres. Non, en fait. Curry, tonnerre. Le Tour du Monde en 80 jours, mais c'est Jules Verne. Ça, c'est Jules Verne. Rien à voir. Jules Verne. L'avion passe. C'est un écrivain du passé. Au pire, normalement, au hasard, vous avez un pourcentage de chance qu'il soit le vôtre. Oui. Au moins, on tente. Allez, passe. Quoi ? Pourquoi ? Je sais pas, non ? Je sais pas. T'as dit passer, passe. Non, je pense pas, non. Moi, siège, c'est celui qui me semble. Siège, vas-y. Enfin, je sais pas. Non, c'est. Tout a l'air d'être de la merde. Oh, j'y vais, Antoine. J'y vais, je clique. Allez, je clique, Antoine. Je clique. Il va cliquer. J'y vais ? Il va cliquer. J'y vais ou pas ? C'est pas vrai. Il a pas Antoine cliqué. Il ment en fait. Bien joué. Ça aurait pu être pire. Désolé Ultia, mais on avait pas du tout la ref. Contiens ta souffrance, on en reparlera en fin de partie. Ouais, je peux pas en parler. On en reparlera en fin de partie. Quoi ? JD, on dit rien. JD, on dit rien, mais moi je les ai. Je risque pas de dire grand chose. Bon, en tout cas, je les ai, donc déjà ça nous aide juste. Si la caméra t'a Guigui pour les 5 mois. Ne lui dis pas, Police 4, l'année. Tu diras après quand il aura fait C'est ma spécialité, c'est-à-dire que... Allez, désolé, Ultia, vraiment, là... En fait, je me suis vraiment demandé si vous aviez la ref. Nous sommes incultes. T'as parlé de clutch avant. T'as parlé c'est de clutch, pas, c'est pas une histoire de culture, vous inquiétez. Et c'était pas pour votre équipe, c'était pour la nôtre. Ok. Ne vous en faites pas. C'est jouable. Vous êtes prêts ou pas ? Ouais, on est présents, en fait. Eh ben, en deux... Je vous propose le mot violet.
Ah oui, alors le navet, déjà. Et la prune, en fait. Après, c'est ça bizarre. Paraît trop simple, non? Bah, non, non, je sais pourquoi il a dit ça. Je sais pourquoi. Ok. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais pourquoi. Est-ce que c'est navet et prune? Il n'y a rien d'autre de, okay, y a rien okay, d'autre okay, de violet, okay. On est d'accord. On est sûr que le navet, il est bien violet, hein. Bah le oui le navet c'est blanc au-dessus, violet en dessous. D'accord. C'est un peu ouais. Rose. Et la prune, bon la prune en général bon, c'est bleu prune, violet okay. Quoi. Ouais ouais. Bah écoute, je suis chaud. Vas-y la prune en bleu. Tac. Et le navet, non mais on est juste trop fort. En fait. Let's go. Bravo. Voilà. Ok, bien joué, bien. Bon. Trop fort. C'est Ménestrel pour le prime, 4 dov l'année. Donc... Après en soi ils ont toujours l'avantage parce qu'il vous reste. Oui non oui oui, oui. Bien sûr. Mm. Bien sûr. Très bien. Et puis ils ont un indice en avance. C'est ouais, vrai. Mais on n'a rien eu du tout au niveau de l'indice. Ok. Nourriture en 4. En 4 ? Ah ! Curry. Nourriture en 4. Chien. Chinois ? Le chien. Dans ce pays non, où non. On bouffe du chien. Une bûche. Non, non, une bûche, une bûche. Une bûche et de la lentille, ouais. Une lentille. Lentille. Ah, la dalle, j'ai la dalle. Peut-être c'était pour ça. J'ai la dalle. J'ai faim. J'ai envie de manger du curry, j'ai envie de bouffer chinois. On bouffe quoi ce soir? Du chinois? Non, plutôt une ouais. Bûche aux lentilles. Bah, pour moi, je vois pas autre chose que ça pour ouais. Nourriture en 4. Attends. Un tonnerre, non. Non c'est tonnerre, pas non, non. Bah non, j'allais dire tonnerre aussi. Un nuage de crème sur votre café. Ouais. Bah, c'est des régions de France bah, où au lieu d'éclair, on dit tonnerre, les gars. Bah, vas-y, vous vas-y. Dites éclair ou vous dites tonnerre, vous? Un tonnerre au chocolat. Eh bien sûr. Et, bah, vas-y, tu veux qu'on tente lequel? Allez, curry. Let's go. Et je mets chinois? C'est parti. Vas-y. Let's go. Let's go. Je mets bûche. Bûche. Ah, putain, bien joué, le chien. Et lentille? Allez, allez incroyable. C'était quoi dalle pour le coup? Le dalle, c'est un curry de lentilles. Le dalle, c'est un curry de lentilles. Ah putain, et je l'avais fait, pas je du pas tout. Faire deviner. Donc c'était curry et lentilles. Avoir fait navet et prune, on l'a fait voilà. Gagner. Et aïe, en fait, aïe. Justin a fait navet et prune, et du coup, ah, ça m'a enlevé toute la bouffe qui me posait problème. Ah trop bien. Nourriture en quatre. Non mais très bien vu. Mais ce cerveau incroyable. Je connaissais pas le dalle, pardon.